Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Gezo? Votre ferme, située dans le village Fankoumé, arrondissement de Gakbe, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulets bicyclettes, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaires. Top, c'est parti! Faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Gezo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Coup d'envoi de la finale de la première édition du tournoi Nosina de Guinangourou donné par l'honorable Gbadamassi. Organisé par l'OJBR de Guinangourou dans la commune de Pereré et parrainé par l'honorable Rachidi Gbadamassi, cette finale a opposé les équipes de Guinangourou A et FC Gomé ce samedi 31 août 2024 sur le terrain de Guinangourou à 16h. Une finale particulièrement marquée par la présence d'une foule impressionnante venu apporter un cachet spécial à ce tournoi de rassemblement. Très enthousiaste, le chef de l'arrondissement de Guinangourou et le trésorier du comité d'organisation de ce tournoi réitèrent leur soutien à l'honorable. C'est un honneur de voir les gens comme ça, puisque en dehors de ces événements, on n'a pas autre lieu de distraction que les arrondissements ruraux. Donc c'est une joie, une grande joie de voir la population sortir massivement possible ce spectacle de football qui oppose deux villages de mon arrondissement. Mes souhaits, c'est que ça soit réédité, que ça soit pérennisé et que ça finisse dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ce tournoi est organisé avec un 100% de réussite. Nous allons seulement dire merci, que Dieu l'accompagne et tous jeunes de Guinangourou, nous soutenons l'honorable Rachidi Gbadamassi et nous soutenons le Bloc républicain. Face à cette marée humaine présente à la finale, l'honorable Gbadamassi prouve une fois encore que l'épanouissement et le devenir de la jeunesse fait partie des préoccupations du gouvernement de la rupture et fait ressortir un problème majeur. Constatez avec nous que le Bloc républicain prône la concurrence positive dans le sens de l'intérêt général, les plateaux techniques, l'épanouissement des jeunes. Donc aujourd'hui, la population de Guinangourou s'est massivement déplacée et c'est le lieu de les remercier. Le Bloc républicain a pour objectif de réunir la jeunesse autour de coups ronds, de les conscientiser, de les travailler, de les mettre à l'abri des prédateurs politiques parce que vous savez, cette couche est vulnérable et c'est souvent cette couche-là que les hommes politiques manipulent. Alors c'est pour anticiper que nous avons décidé cette fois-ci d'animer en permanence la vie politique et de se tourner véritablement vers la jeunesse. Parce que les prédateurs politiques ont pour sport favori la manipulation de la jeunesse. Et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé d'organiser ce tournoi de football-là pour l'intérêt général. L'appel que je lance à la jeunesse, c'est de tirer les leçons du passé. Parce que par le passé, on les a manipulés. Nos amis d'en face ont complètement gâché la vie de la jeunesse. Leur seul objectif, c'est d'envoyer la jeunesse à l'abattoir. C'est d'envoyer la jeunesse en prison. Et c'est pour cette raison-là que nous, au niveau du Bloc républicain, nous avons décidé vraiment de conscientiser la jeunesse, de les préparer pour la relève de demain. La commune du Pereré est vraiment en retard. Et pour rattraper ce retard de développement, je pense il urge qu'on réalise l'axe Parakou-Pereré-Niki. L'axe aussi Niki-Kalalé. L'autre chose encore qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que la commune de Pereré, qui produit vraiment de soja, puisse avoir des usines pour transformer ces matières premières-là. Et c'est pour ça que nous, au niveau du Bloc républicain, nous serons le porte-parole pour sortir la commune de Pereré de l'ornière. Très ému et plus proche de la jeunesse, l'honorable ajoute ceci. Je pense en toute humilité que l'équipe de Guinangourou n'a pas démérité. Et comme je l'ai dit, il n'y a ni vaincu, ni gagnant. Le gagnant, c'est la commune de Pereré. Le gagnant, c'est le Bloc républicain, le parti du cheval blanc cabré.
Le gagnant, c'est la jeunesse béninoise. Donc, au nom du Bloc républicain, au nom de son président, nous prenons l'engagement que chaque année, nous allons organiser cette tournoi-là d'une manière rotative. Ça dit prochainement, nous allons le faire peut-être à Gomé, Gunkware, Nessi, Sono, Dikidiru ou Pérale Centre. Donc, c'est une manière de rapprocher la jeunesse de la réalité. C'est une manière de conscientiser la jeunesse. C'est une manière de fédérer la jeunesse. C'est une manière de mettre la jeunesse à l'abri des prédateurs politiques. C'est très important. Après avoir disputé un grand match plein de rebondissements, les capitaines des équipes se prononcent. Aujourd'hui, moi, je suis avec la joie, avec la force de l'honorable Sidi Gbadamassi. Donc, félicitations. Je suis tout remercié la population de Guinagourou avec notre honorable Sidi Gbadamassi. Je remercie monsieur l'honorable Gbadamassi et ses camarades. Donc, nous souhaitons à ce que ce genre de situation se passe dans la commune de Pérère et dans l'arrondissement de Guinagourou aussi. Au terme de cette finale, FC Gomé est sacré vainqueur de ce tournoi et les meilleures équipes ont été récompensées avec de nombreux lots.